pour avoir simplement voulu célébrer la fête nationale d'Arabie Saoudite au même titre que les autres stars qui ont rejoint ce championnat, Karim Benzema est attaqué par l'extrême droite française. Désormais joueur d'Al-Ittihad, Karim Benzema s'est affiché en tenue traditionnelle pour la fête nationale d'Arabie Saoudite. Si ce genre de représentation fait aussi partie de son contrat et que d'autres comme Cristiano Ronaldo ont fait de même, le post Instagram de KB9 a hérissé les poils de l'extrême droite française. Sur BFM TV, Jordan Bardella, le chef du Rassemblement National, a attaqué, au moins, il est cohérent. Il veut un mode de vie islamiste, il est parti en Arabie Saoudite. Si tous ceux qui veulent un mode de vie islamiste pouvaient aller dans des pays islamistes, peut-être que la France se porterait beaucoup mieux. Je pense que Benzema est un compagnon de route de l'idéologie islamiste. Il faut distinguer l'œuvre de l'individu. C'est peut-être l'un des plus grands footballeurs français, mais il est coutumier de pratiques islamistes. Attention. Je n'ai jamais dit que c'est une provocation de sa part, je lui fais gage de la cohérence. Ce n'est clairement pas la première incartade des partis d'extrême droite contre Benzema. Pour rappel, le lanceur d'alerte et militant Reconquête Damien Rieu a fait l'objet d'un procès de l'international tricolore pour l'avoir comparé à des combattants de l'État islamique sur deux tweets datant de 2020. Le militant a récemment été relaxé par la justice lyonnaise.